Malgré la disparition de Johnny, on continue de découvrir le répertoire de cet artiste grandiose. En 2019, Yvan est invité à prendre la direction d'un projet symphonique où il va écrire de nouvelles orchestrations sur des grandes chansons de Johnny. D'abord hésitant, il accepte aux conditions suivantes. Ne pas partir dans une direction musicale que Johnny et lui n'avaient pas déjà suivie et s'entourer des collaborateurs fidèles du chanteur. François Gauthier, Bob Clearmountain et Bob Ludwig. Ainsi, en 2019 sort Johnny, un succès immédiat. En 2021, l'aventure continue avec Acte 2. On a vu souvent rejaillir le feu d'un ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Yvan privilégie les prises de voix live de Johnny et les habits d'orchestration parfois épiques et cinématographiques, mais aussi très intimes et dépouillés. Le prolongement de tout ce qu'ils avaient vécu ensemble. Et quand vient le soir, pour qu'un ciel flamboie le rouge. Et l'aventure ne s'arrête pas là.